On voit d'abord les requins qui sortent. Mais tous ceux qui sortent là, nous on a dit ça il y a longtemps, on a dit la vie est chère. Et que c'est compliqué, c'est cher. C'est nous les blogueurs là, on donne que nos voix. Personne ne parle, les artistes sont dans les coins. Quand il y a un mouvement comme ça là, je dis aux gens que si vous voulez ne parler pas, nous tous on va subir. Mais les artistes ont fini par comprendre, ça commence à sortir un peu, un peu. Il y a d'autres qui sont toujours dans les coins parce qu'eux ils mangent. Parce que dans la tête de certains artistes, parce qu'ils mangent avec certains moraux qui sont dans le gouvernement, ils ne peuvent pas parler. Mais nous, ça n'a rien à voir, frère. Vous comprenez? Aujourd'hui, Suspect, il est sorti, il a fait son petit mouvement tranquille. Vous allez voir. Hein. Ils vont commencer à fermer Suspect, ils vont commencer à le juger, ils vont commencer à le fermer. C'est moi qui vous dis. Ils vont commencer à dire non, ils vont commencer à le bouder partout dans les petits, petits mouvements. Mais Joe, il a fait sa part. L'histoire retiendra que lui, là, parmi les poltrons, les mangeurs, les bouffeurs, les plaisantins, là, lui, Suspect, il a fait sa part, tranquille. Et puis, il est dans son coin. Ce qu'il a dit, là, c'est pas partisan. C'est que c'est pas partisan. Voilà, il est apolitique. Mais au moins, tu vois, ce sont les sujets qui minent la société aujourd'hui. Voilà. Que tu fasses de la politique ou pas, quand il y a un problème comme ça, un problème de société, il faut dénoncer, il faut parler. Suspect a fait sa part. De voir deux, trois personnes, les Marocains qui commencent à sortir un peu maintenant, ils ont commencé à faire des petites vidéos. On a vu Zagba aussi qui est sorti. Les gars, ce qui suit, soyez en maillot. Parce que quand tu sors comme ça, il y a des Marocains qui vont te regarder, ils vont te fermer parce qu'ils vont mettre les faux délits sur toi. Voilà, ils vont te dire qu'il n'y a plus de position, c'est pour le parti de l'opposition. Ils vont commencer à politiser ça. Pourtant, c'est une réalité. Nous, on dit aux gens que ne laissez pas que les blogueurs, les cyberactifs politiques, non. Nous, tout ça dit que l'électricité, il a décrit un fait qui est juste. Voilà, il y a trop de choses à décrire en Côte d'Ivoire. Il y en a tellement. Il y a trop de sujets de société qui minent aujourd'hui. Mais les Marocains ne sont pas prêts. Voilà, les Marocains ne sont pas prêts parce qu'il y a des gens qui mangent de la paume de certains politiciens. Il y a des gens qui sont. Donc, ils ne peuvent pas parler. Ils sont là. Voilà, les 1-1 qui ont le courage là, ils sont à saluer. Voici les Debordeaux, Likoufa. J'ai appris qu'il dit que lui, il a concert au casino. Lui, Debordeaux. Voici des gens, c'est-à-dire, voici un homme. Vous savez que Debordeaux, là, c'est mon moro. Mais depuis un moment, là, je l'ai déposé un peu. On dit, l'électricité a augmenté. On ne mange pas. Tout est cher. C'est compliqué. Toi, tu dis, tu étais l'adjoint au maire. Aujourd'hui, là, ça te concerne. Il ne parle pas de ça. Il dit, lui, va faire le concert au casino. Tu ne chantes pas, voici un moment. Tu vas aller chanter quoi au casino? Des trucs qu'on a déjà entendus depuis 20 ans, 18 ans en arrière. Tu vas aller chanter ça encore au casino. Casino là aussi, ça devient un couloir Djandjou. Tout le monde mourut au casino. Casino a devenu un couloir Djandjou. Casino, ça devient comme palais de la culture. Palais de la culture aujourd'hui là. Tout le monde remplit palais de la culture. Donc les gens aujourd'hui, comme ils remplissent palais de la culture, dans leur tête, ils sont devenus trop dangereux, ils sont devenus artistes, c'est les plantains. Casino de Paris là. Ça va devenir comme Casino de Paris là. Ça va devenir comme palais de la culture. Ça va plus avoir de valeur depuis à rien à certain moment. Toi, des Bordeaux, voici 1002 ans. Tu dis tu vas faire sortir Bordelerie. Tu dis tu vas faire sortir mouvement. Tu ne fais pas sortir. Tu ne fais rien sortir. Et toi, cette année-là, toi, des Bordeaux, tu dis, toi, tu as un concert au casino. Et regardez tous ceux qui veulent faire aujourd'hui les concerts au palais de la culture. Ils vont dans les bureaux de leurs parrains. Ah non, voilà, j'ai mon concert, nanana. Bon, je te donne 3 millions. Non, j'ai mon concert. Ils vont dans tous les bureaux où on leur donne assez de millions. Et en retour, ils achètent des tickets qu'ils distribuent au quartier. Mais bien évidemment, tu vas remplir un palais de la culture. Forcément, tu vas remplir le palais de la culture. Forcément. Sans bruit, palais de la culture, là, tu vas remplir. Vous comprenez? Le palais de la culture, là, ceux qui ont rempli le palais de la culture, Colo Colo, là, ça, c'est les Yodé Siro, c'est les petits dénus, autant. On ne rentre pas dans le bureau de quelqu'un. On met 2-3 affiches. Il n'y avait même pas encore bon internet. Il n'y avait même pas encore ça là. Il n'y avait pas, on ne communiquait pas ici. On met 2-3 affiches et puis on remplit palais. Ça, c'est rempli palais de la culture. Mais regardez aujourd'hui ceux qui remplissent palais de la culture. Et puis si tu les demandes, non, c'est eux les champions. Ils sont les plus debout. Non, les derniers. Et puis pour un petit truc, j'ai rempli palais de la culture. Comme si c'était un événement. Aujourd'hui, rempli palais de la culture, là, c'est un non-événement. Rempli palais de la culture, là, c'est un non-événement aujourd'hui. Tout le monde est rempli. Même aujourd'hui, la bébé sans cause demande s'il veut remplir palais de la culture, il va remplir. Il a son parrain, gouverneur Benzema de Paris. Gouvernement, quand tu parles de gouverneur Benzema de Paris, là, tu parles des générations conscientes. Quand tu parles des générations conscientes, tu parles des familles phénomènes dans tout Paris. Là. C'est les jeunes là que vous connaissez qui ont beaucoup d'argent à Paris. Là. C'est eux. Ceux-là, s'ils sont derrière toi, là, c'est ce que tu veux là, tu vas faire. Ils sont derrière bébé sans os de main. Donc bébé sans os de main, lui-même, là, il peut remplir palais de la culture. Vous comprenez? Donc pour vous dire que palais de la culture, c'est un non-événement. C'est comme ça que Casino de Paris va devenir dans peu de temps. Il suffit de toucher les têtes qu'il a citées là. Tu touches ces grands groupes-là. Famille va se comporter. Hein. Comme il sait qu'il a annoncé en septembre, bien, je ne sais pas, il dit en novembre, et Casino. Vous allez voir, il va faire sortir un son, deux sons. Non, mais ça, c'est des Bordeaux, ça, c'est pas du travail. C'est pas un travail pour ça, là. C'est un faux boulot. Comme effectivement, il veut faire Casino en novembre, vous allez le voir maintenant. Il va faire sortir un son, trois sons comme ça. Et puis, il va dire qu'il a un maillot pour le Casino. Ça, c'est pas ça, être pro, frère. Les gens t'attendent.
Tes fans sont là depuis qu'ils t'attendent. Des Bordeaux, il faut chanter. Des Bordeaux, il faut bailler. Des Bordeaux, il faut faire mouvement. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt pour chanter. Mais comme tu as positionné Casino là, vous allez voir. Faites capture de ce que je suis en train de dire. Des Bordeaux vont commencer à faire sortir les petits sons. Pour son mouvement de Casino. Tout ça, c'est cherchement d'argent. C'est plus beau. Il n'y a même plus d'artistes. Les Ivoiriens ne souffrent pas. Mais les Ivoiriens ne souffrent pas, je sais. Les Ivoiriens ne souffrent pas. Les Ivoiriens ne souffrent pas. Voilà pourquoi les gens, quand nous on fait nos blablabla, et sinon on s'amuse ici, on vient nous dire que non, il faut parler de chanter de la vie. Vous êtes malade. Nous, on a qu'à venir parler de chanter de la vie. Vous avez problème. Les gens n'ont pas de problème en Côte d'Ivoire. Les gens n'en ont pas. Regardez les blogueurs. Ils sont en train de chercher les étoiles, ils sont en train de chercher les flancs sur TikTok, ils sont en train de chercher les mouvements. Ils n'en ont rien à cirer. Je vous ai dit, 94%, 95% de ceux qui font les vidéos, qui créent le contenu, on dit blogueur, blablabla, ils se trouvent en Europe ici. Ici, là, on a nos réalités, on a nos problèmes. C'est qui se passe en Côte d'Ivoire, là, on n'en a rien à cirer. Maintenant, vous qui êtes là-bas, qui passez votre temps en train de danser là. Les gens ne vont pas faire parler pour vous. Regardez les artistes, ils sont tous muselés, personne ne peut parler. Mais tonton Yodé et Siro, qu'ils étaient soi-disant désengagés hier, aujourd'hui, et regardez-les partout, ils sont que dans les bureaux aujourd'hui. Ils ne peuvent même plus parler, faire quelque chose. C'est là que j'ai compris que on dit tout le monde a un prix dans la vie. Tout le monde. Et puis regardez les gens. Les gens, non, les gens n'ont plus de conditions, les gens n'ont plus rien. Les gens s'attachent toujours aux vainqueurs. Ça dit que. Excusez-moi. Les gens sont toujours attachés dans le camp des vainqueurs. Dans le camp de ceux qui gagnent. Toujours. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont toujours dans le camp de ceux qui gagnent. Tu es perdant, ils ne sont pas avec toi. Ils sont dans le camp de ceux qui gagnent. Et puis quand ils sont là-bas, ils trouvent toujours des alibis, ils trouvent toujours des excuses comme quoi. Non, c'est des gens. C'est des gens comme ça. Et ils sont nés comme ça. Ils sont toujours avec les gens qui gagnent. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ils sont beaucoup comme ça. Ils sont dans Coupé les Cas, ils sont dans Zougou, ils sont partout. Ils ne sont pas prêts aujourd'hui à dénoncer. Dénoncer là, ça ne veut pas dire que tu es en train de faire la politique. Ce sont des faits qui sont réels. Ça touche tout le monde. Donc là, vous prenez vos courage à deux mains et puis vous dénoncez les faits. Allô? Si je fais quand quelqu'un a chanté. Pour des sujets inutiles, ils vont sortir, Alex. Pour des sujets même pas utiles, là, c'est dans ça que vous allez les voir sortir. Ils vont commencer à se muscler là-dessus. Oh, oh. Quand c'est pour chanter comédie, regardez les comédiens, par exemple. Il n'y a pas l'homme qui y a vrai caché comme les, que les comédiens en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas. Si on dit qui a caché en Côte d'Ivoire, là, c'est les comédiens. Là. Mais regardez-les. Même dans comédie, ils ne peuvent pas dénoncer. Même dans comédie, ils ne peuvent pas dénoncer. C'est des plaisantins. Mais les artistes, là, c'est les profs venus sur la toile ici, nous disent que non. Quand ils ont des événements, on ne soutient pas. Et puis, il vous dit quelque chose. Vous, les artistes qui pleurez, comme quoi les pages ne vous soutiennent pas quand vous êtes dans les bons trucs. Et puis, c'est quand vous allez qu'on vous soutient. Vous vous dites que vous êtes des menteurs. Je vais vous expliquer un truc. Les artistes, là, c'est des malhonnêtes. Nous, quand c'est l'anniversaire, on publie. Nous, quand ils font des bonnes choses, on publie. Le problème, là, ça dépend de ceux qu'ils ont envie de voir publier les trucs. J'ai vu mon frère Tiesco, le sultan, en train de pleurer. Comme quoi, nous, les gens partagent pas les trucs. C'est faux. Nous, on partage les trucs. Nous, on les soutient. Mais seulement que c'est les mollards, ils ont envie de voir soutenir. Ils ont envie de voir soutenir des grosses têtes. Sinon, nous qui ne sommes pas les grosses têtes, qui avons les petites pages, on les soutient. Mais on ne les voit pas venir liker, on ne les voit pas venir commenter. Je reprends. Il y a des artistes qui se plaignent qu'on ne les soutient pas. C'est faux. Nous, nos pages, nous, les petites pages, on les soutient. On les publie. On parle d'eux. Ils voient, ils ne likent pas, ils ne commentent pas. Ils n'en ont rien à cirer. En fait, ils ont une classe de personnes qui veulent voir, entendre parler d'eux. C'est ça le véritable problème. Sinon, on vous soutient, ne mentez pas. On vous soutient bien même. On parle de vous, on vous publie. Mais vous n'êtes pas prêts. Parce que nous, là, nous, on n'a pas la visibilité. Vous cherchez des gens qui ont la vie. Mais la vie même est comme ça. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Voilà. Ça, c'était une parenthèse. Ça, c'était une parenthèse. Mais c'est une réalité. Vous comprenez? Il y a des gens ici. Voilà. Non. Que Dieu nous garde, quoi. Que Dieu nous garde. Alors, que mon fils soit salé depuis ta position. Mais ils ne sont pas prêts. Mais ils ne sont pas prêts. Mais nous, on fait des choses bien. Combien de fois vous avez pris nos contenus, publié ça sur vos pages? Vous n'êtes pas des dieux. Vous comprenez? Donc chacun reste dans son mouvement. Ne venez pas embrouiller les gens ici. Voilà. Il ne faut pas que quelqu'un va venir embrouiller quelqu'un ici. Personne ne donne à manger à personne. Personne, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Donc on ne pleure pas. Voilà. Eman Kore, mon frère. Mais je te parle d'un mouvement, bras. C'est moi qui te dis ça, Alex, tu as déjà tout compris. Et c'est comme s'ils sont. Quand on ne parle pas de toi, quand tu n'as pas nom, tu n'as pas visibilité là, si tu veux, il faut te décacasser en mille morceaux pour eux, ils ne sont pas prêts, ils n'en ont rien à cirer. Les artistes là, ce sont des opportunistes. Hein. J'ai fait une petite vidéo pour eux. J'ai fait une petite vidéo pour y balancer. Là, ils vont voir ça. Les artistes là, ce sont des opportunistes, ils ne sont pas prêts. Ce sont des opportunistes, ils ne sont pas prêts.
C'est moi qui vous dis ça. Je sais que tu les soutiens, je sais que tu fais mouvement, mais tu vois combien qu'ils sont. Mais si toi, tu es en maillot, tu payes les mouvements, tu vois que tu vas dans les soirées à chaque fois, et puis tu te montes, tu dis que non, c'est toi Alex. Et puis vois que tu es mort debout, tu es prêt à les décaler à chaque fois là. Tu vas voir comment ils vont chanter ton nom. Des vrais sorciers, des profiteurs, c'est moi qui vous dis ça. Vous jouez les artistes ivoiriens là. Vous jouez les artistes ivoiriens là. Ils ont 20 mois. Hein. Mais essayez qu'ils se plaignent qu'on ne les soutient pas. On vous soutient. C'est le soutien que vous voulez là, que vous voyez là, que vous n'avez pas. Sinon, non, vous soutenez, non, n'est pas quelque chose. Mais tout le monde, c'est ma page, c'est que cette visibilité cherche dans vos dos. Sinon, il peut bien, vous pouvez bien. Ne vous cherche même pas. Est-ce que vous voyez moi, vous tentez mon tournoi. Les profiteurs, quoi. Moi, je vous ai dit, oh, amitié avec artistes là, il n'y a pas. C'est les faux moraux. Et tous presque, c'est les faux moraux. Moi, je dis ça. Les vrais profiteurs comme ça. Ne pas boire café là, sinon ça commence à noircir la langue des gens. Le café noir. Moi, je dis ça. Vous pleurez. C'est combien de minutes? Des artistes, des personnalités publiques qui sont là. Nous, on est public quand il y a des événements. Ils voient nos publications et ils passent. Mais je t'ai dit, Alex, moi, je les ai déposés. Moi, je les ai déposés. Tu me vois, je parle de quelqu'un. Parce que si je vois qu'il y a un bruit là, il a parlé de toi pour chercher ma visibilité. Mais pour dire qu'il a parlé de toi, parce que nous, on m'en fout de maintenant. Nous, on n'a pas fait quoi. Nous, on s'est charbonné ici pour beaucoup. Au moment où vous voulez, Alex, vous nous suiviez en 2019-2020, au moment où il n'y avait pas encore tous ces blogueurs à clash, nous on avait visibilité, nous on avait boing. Moi je jouais toujours musique avant de commencer. Vous voyez comment nous on a soutenu les artistes ici, en chantant. Moi avant tous mes lives là, moi je soutenais, ils faisaient mon public, ils faisaient mon mouvement. Eux-mêmes ils ont vu ça ici. Et ils sont combien qui ont dit merci un jour, qui t'ont pris, qui t'ont mis sur les pages. Nous, leur anniversaire là, ça passe ici, pendant que nous on les a soutenus ici. Nous tout passe ici. C'est des malhonnêtes, c'est des profiteurs. Mais restez là, vous connaissez pas. Voilà pourquoi il dit moi. Il y a à voir mon Jay, il serait un mort debout là. Moi, la vie des artistes là, il n'y a pas dedans. Demain, tu vas voir ton Jay, ils vont commencer à tourner. Et nous, je suis debout. Et puis, ils attendent que nous, je fais don ici, don là ici. Mais eux, dans les conseils, ils ne vont pas me voir. Dans les mouvements, ils ne vont pas me voir. On sait tout d'un pas, mon simple frère de femme. Et quand il y a à voir Jay, vous devez commencer à vous intéresser. Vous dites que non, vous êtes trop mauvais. Les artistes là, laissez-les. Les artistes, ils sont trop méchants. Les artistes sont trop mauvais. Il n'y a pas plus profiteur qu'il y ait dans le monde. Il n'y a pas. Ils viennent en cachette demander l'aide. Je leur ai dit d'aller faire ça publiquement. C'est propre. Faut plus aider quelqu'un dans l'ombre, mon frère. Voilà. Faut plus aider quelqu'un dans l'ombre. Il dit ça publiquement, tu l'aides et puis on te dit merci aussi publiquement. C'est des mauvais, c'est des hypocrites. C'est Jao. C'est plus vous dit ça. Les artistes, c'est des hypocrites, c'est les mauvais. Mais ça là, je viens faire une petite vidéo après. Et puis je vais publier ça. Ils vont voir ça, traîner, ils vont voir ça. Il n'y a pas les deux. Comment ils sont, comment ils se comportent? C'est des malhonnêtes. Comment ils disent ça? Est-ce que vous vous donnez sous des billes pour chanter, chanter le nom de quelqu'un qui a besoin même que vous n'aurez chanté le nom? Faut plus les aider, bras. Faut plus aider quelqu'un. Je pense que c'est mouvement. Faut plus aider l'homme. Moi, j'ai jamais compris ça. Ils sont là. Ils peuvent même plus décoller. Ils sont tous mieux comme des carpes. Aujourd'hui, on est là. C'est eux. Mouvement, tout est là au pays ici, ils sont là. Ils peuvent... Mais ils sont venus tous s'encourager parce qu'ils savent que c'est le fils d'Ahmed Baralouko et qu'il est capable de venir lire les commentaires. Donc eux, ils vont mettre juste des commentaires. C'est des mendiants. Vous comprenez? Entends, les gens sont venus écrire que toi, le fils d'Ahmed Baralouko, tu as travaillé dans quel truc? Toi, tu as travaillé où pour être ce que tu es là aujourd'hui? C'est pas toi qui as parlé de travail. Mais regardez, allez voir les artistes là. Eh non, le boss, tu as travaillé, tiens Dieu, tu as travaillé, que Dieu te protège. C'est ça qu'on appelle poltronia. C'est ce qu'on appelle l'arbre, c'est ce qu'on appelle plaisantin. Vous êtes des menteurs, l'enfant là, il n'a pas travaillé quelque part. Voilà, le fils d'Ahmed Baralouko là, il n'a pas travaillé quelque part pour être ce qu'il est là. Papa a déjà travaillé. Mais les artistes n'ont pas le courage de dire ça. Ils n'ont pas le courage de dire ça parce qu'ils se disent que le fils d'Ahmed Baralouko peut venir lire les commentaires. Si ils ont. Hey, les gens. Voici le moral le plus debout des gagnants à l'air là. Calypsila, mon frère. Ça salait depuis ta position, Ali. J'espère que tu vas bien. Ali, mon frère, moi, je suis là. Je suis là. Ali. Hey. Ton prochain mouvement là c'est quand même, hein, ma tête chauffe. Allez, pardon, femme, où est-ce en train de parler là? Faut, si tu veux balancer ton truc là, faut balancer. Faut mettre la créa là ici en même temps. Khalif, si tu peux amener créa là ici, faut amener créa là, il y a épinglé ça. Pardon. Faut amener la fiche là, et puis il y a épinglé ça en même temps dans le direct là. On s'attrape en outre. Non, je connais. Faut amener la créa de ton mouvement là. Le prochain mouvement. Là. Je t'envoie la fiche. Faut envoyer. Si tu peux télécharger là, on peut télécharger. Et puis il y a épinglé ça tout de suite là.
de la... Ok. Attends, il a épinglé ton truc là. Mais non. Oh. D'accord. DJ Léo pour ce week-end. Ok. Donc voilà, comme on vous le disait, il y a un espace à Gagnoir. Voilà. Le campus. C'est le campus, non, Calife? Voilà. Le campus. Calife, faut écrire ça. Le campus. Tu mets la date DJ Léo, puis il a épinglé ça, mon frère. Calife, faut écrire ça. Tous les gozolais vont aller se mettre bien là-bas. Vous pensez quand on venir, vous pensez que la vie tourne autour de vous, quoi. Parce que vous, les artistes même, ils donnent rien aux gens à cause de chanter le nom des gens. Vous pensez qu'à cause de chanter le nom des gens, on laisse déjà pour vous. Vous n'êtes rien même. Vous n'êtes rien même. Vous n'êtes rien même. Il y a des gens, moi, ils sont déposés, quoi. Les Hassan Ayek, par exemple, comme ça. Là. Voici un Moro, lui, il a créé son mouvement. Lui, Hassan Ayek, il a créé son coin. Moi, j'étais ici. Quand je suis à la Bigonette, je suis allé dans le coin d'Hassan Ayek. On s'est appelé ici, là, lui, dans son coin. Jazz. Il a acheté ce qu'il a acheté, on a fait les photos, je suis venu et tout. Et quand je suis rentré là, c'était son anniversaire. Il est publié dans son coin, lui et moi. Et puis il a dit joyeux anniversaire. Il est venu, il a juste liké, puis il est parti. Les grosses pages, les personnes qui ont les visibilités tout là, ils l'ont publié sans rien dire même là. Il a commenté, il a remercié, il a fait bénédiction. Moi qui suis parti acheter dans ton coin, je suis quitté ici, je suis arrivé, je suis allé dans ton coin, je me suis assis, j'ai acheté. On a parlé, on a fait mouvement. Je te publie, ça dit que. Mais vous donnez, vous n'êtes rien. Mais après tu te dis que voilà, tu te dis que la vie là même. Excusez-moi. Voilà, attendez, il peut ça. Mais comment il peint ça là? Pourquoi il n'arrive pas à épingler ça? Bloqué, supprimé. Voilà, épingle. J'ai épinglé le commentaire. Ouais, c'est bon. Donc voilà, il a épinglé le truc de mon frère ça. Hein. Voilà, il a épinglé un commentaire, l'espace c'est l'espace. L'espace événementiel campus, c'est samedi 18. Voilà, il a épinglé à Gagnon à partir de 16h. Voilà, il a épinglé un commentaire là, voilà. Il m'aura le plus debout de Gozo actuellement. Voilà, un moment. Ça n'a rien. Les gens qui vous soutiennent. Mais dès que tu n'as pas visibilité, dès que tu n'as pas mouvement, là, ils s'en foutent de toi. Tu peux te décacasser pour, mais c'est fini. Tout cela, ils les ont déposés. Moi, c'est fini. Ah, vous vous amusez. Mais on est là. Il dit, on est là. On est en vie, non? Oh, mais on s'amuse. On est en vie. Vous pensez que la vie d'une personne, ça reste comme ça monotone, quoi. Les situations changent en fonction. Vous allez comprendre. Oh, qui m'appelle là même? On comprend. Elle est plantée. Un jour, nous tous, on sera debout dans le pays là. Nous tous, un jour, on sera debout. On va voir. Vous mensonges, il est malhonnête. Vous êtes web interne autour des gens. On va voir ce que ça a donné. Vous ne connaissez pas les gens. Et qui se plaignent. Plein de tout. On les soutient pas, on les soutient. On vous soutient pas comment? On vous soutient pas comment? Vous partez sur TikTok, on vous soutient. Vous venez sur Facebook, on vous soutient. Mais c'est non. Vous allez manger ça. Non, mais je comprends, Alex. J'ai compris ça. C'est tranquille. Les gens qui veulent qu'on enquête les larbins, nous on a qu'à venir encore parler. Vous êtes qui même? Tu m'en dans les têtes là, c'est gâté ton côté. Tu es blessé, tu es piqué, tu es trop tracé, que allez là, tu peux plus rien créer. Adamo Touré soit salé depuis ta position, mon frère. Et que tu peux plus rien créer. Donc là. Et là, quand il rentre à la maison après là, il y a l'ancien live. Ils vont bien comprendre ce qu'il dit là. Quand il rentre en piste, il y a l'ancien live. Ils vont comprendre ce qu'il dit, bien même. Oui, mais qui t'a dit que même là, quand ils étaient avec toi là, c'est parce qu'ils étaient avec toi. On t'appelle Alex, mais tu vis aux États-Unis. Ils n'en ont rien à cirer, frère.
Voilà. Eux là, ils sont fans de ta gamme parce qu'ils savent que dans toi là, dans une situation là, tu peux les décaler. Il y a un mouvement là, si tu viens à Babi là, tu peux, ou bien depuis les États-Unis, tu peux les soutenir en jetant un jet ici. C'est comme ça que les gens sont avec les gens. Surtout les artistes là. Les artistes n'ont pas d'amis. Il ne faut pas amitié avec quelqu'un. C'est moi qui vous dis ça. C'est malhonnête. Amitié d'artiste même là, c'est pas tout. Vous pouvez aider quelqu'un, là. Vous pouvez aider quelqu'un. T'as raison. Les gens sont toujours malhonnêtes, mais les gens sont mauvais même. Pour te soutenir là, quoi. Non. Non, on est dedans. On est dedans. On est dedans. Amène ta voiture, c'est comment? Va s'aller depuis ta position. On est dedans. Mais ils connaissent rien. Ils connaissent rien. Ils disent on est là. Ils n'ont qu'à faire capture. On est là. Elle rentre en piste le soir, elle s'y suit encore. Aujourd'hui, là, c'est leur journée. Artistes au mouvement, eux tous. Des morts malous comme ça là. Ils sont avec toi-même là. Quand. Et puis dès que tu les critiques un peu, les cachots, c'est dans ça qu'ils vont sortir, c'est dans ça qu'ils vont venir sur ta page, parler, parler. Mais quand ils parlent du bien en eux là, non, ils ne sont pas prêts, hein, t'es encouragé, ils te disent merci pour ce que tu as fait pour eux, ils ne sont pas prêts. Il y a des opportunistes même, Gomez, la mort, tu ne peux pas. Il y a des amitiés d'artistes, ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont pas d'amis, c'est moi qui vous dis. Aïe. J'ai bien aimé la vidéo. Eh, c'est comment Bison? Oh, maintenant il a confirmé. Maintenant il a confirmé là, laissez petit là. L'homme qui blague petit là, on va voir. Ceux qui sont en train de blaguer, maintenant il a confirmé là. Nous on regarde seulement. Quand tu lui demandes, lui il est artiste, pas il a osé là, l'osé. Petit, si tu es malin là, moi je te dis en même temps ici, petit il faut caler. Maintenant il a confirmé, si tu es malin là, tu as mis pied aux États-Unis, il faut disparaître, il faut caler, tu vas vivre ta vie. Allez, Jossi, tu vas voir ton aïe. Voilà. Sinon dans la chanson, tu ne peux pas aller quelque part, et tu faudrais. Mais on sait qu'aujourd'hui, la médiocrité, c'est soutenu aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les chaînes télé privées, des morts comme les gouverneurs Benzema. Ah. Il a rien fait, il va Jossi. Mais si Jossi pas, il est foutu. C'est le seul truc qui peut faire s'il est là-bas. Si Jossi pas, il est mort. Oui, et ils l'ont habitué même à l'air facile, même là-bas. Il pense qu'il chante, il a des petits cachets là. Et lui-même, il peut Jossi même. Un plaisantin même. Un gros plaisantin. Ah, ça soit lui va parler aussi. Les artistes parlent lui aussi, il va venir parler. On ne sait pas qui, on sait pas qui les pompe, on ne sait pas qui les donne conseil même les morts. Un plaisantin comme ça. Si c'est pas bien que tu es calé, tu es dans le petit, tu seras fermé de partout. Ah! Nous, on ne connaît pas le moment là-bas au petit. On a pensé que c'est bien. Je ne sais pas même, je ne sais pas qui lui parle, son conseiller quoi. Ou bien c'est Aziz 47. Il dit, c'est Aziz 47 quoi. Ah, oui. D'accord, on va continuer. Continue petit, à comprendre ce qu'il y a dedans. Bon les gars, c'était un peu ça mon petit message, non? Chèque, c'est comment? On est ensemble, toi tu connais. Et tchao. Portez-vous bien, hein? On se prend tout à l'heure encore pour un nouveau live. Et puis voilà. Merci d'être passé, qu'on sera en piste assis tranquillement là. On lance un live et puis on causer. C'est causerie, y'a rien. On est ensemble, portez-vous bien, c'est tchao, quoi. Allez, ciao, ciao. Mon gros malou là.